j'espère que tu auras plus de follow dans le futur. Tu sais, Mogbag, 29 903 follow, c'est quand même pas mal, hein. C'est gentil, mais c'est quand même pas mal. Salut Pingouin, comment tu vas? Bah, c'est bien de vouloir plus, parce que ça veut dire qu'on a des objectifs et qu'on veut aller plus loin et tout, mais... Des fois, vouloir trop, ça peut nuire. Ok, il y a quelqu'un qui est solo de mon côté, normalement. Ok, elle est là. Oh, elle est FK. Ok, elle va se prendre son premier hit, normalement. Ah, il joue en 4 tiers, je crois. Ça va être compliqué de les niquer. Allez, bien joué. J'aurais dû dodge. Hein. My bad. Hein. Là, je comprends pas pourquoi je saute. Je comprends pas pourquoi mon personnage il saute. Et j'ai pas connu l'ancien rune, ok. Ouh, death, frérot. J'aurais dû dodge. Hein. J'ai pas connu l'ancien rune. T'as pas connu? Ouais, il était chiant, mais rien de plus. Il était chiant au niveau des QTE, quoi. Ok, il se fait heal. Ah, ils ont fini. Il a l'air d'être vraiment fort. Hein. De toute façon, les pyramides, c'est souvent très très fort. Hein. Ils étaient deux. Normalement, il y en a un qui doit pas être loin, là. Ok, on prend Sopalin du coup. Je pensais pas qu'il y avait à distance, bref, j'ai mal joué, j'ai voulu grid le gène encore une fois. Les seules fois de ma vie où je grid le gène, je me fais tellement défoncer, karmaté. Je me fais tout le temps détruire quand je veux grid le gène, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. À chaque fois que je veux grid un générateur, c'est la punition. Pourtant, c'est un truc que je fais jamais. Hein. Je le fais jamais d'habitude. Et là, je me fais tellement punir. Oh, elle est longue! Comme ma bite! Ma bite! Ma bite! Putain, sa phase elle est ultra longue. C'est dingue. J'ai eu l'impression de voir le reflet de mon chibre sur le sol. Ah, c'est impressionnant, il a mis les grosses add-ons de longueur. Punaise, c'est exactement voilà, la même chose quand je coupe mes poils. Voilà. Tu sais quand t'as tes poils sur ton sgeg, t'as l'impression qu'elle est pas forcément très grande ta queue. Et dès que tu enlèves les poils, bah ça, c'est super grand. En gros, il a mis des add-ons de rasoir. Il a mis les add-ons de tondeuse à gazon. C'est-à-dire qu'il a mis la tondeuse en add-on, en accessoire. Du coup, c'est plus long. Touché. Par contre, pourquoi il est déterminé envers ma gueule? Qu'est-ce que j'ai fait? À part avoir le même chibre que lui, je vois pas ce que j'ai fait de mal, enfin je sais pas. Pourquoi il me suit comme si j'étais super important? Je comprends pas. Je suis ni important ni super. Tu sais comment il prend ses distances au palin? C'est ouf, hein? Ça, c'est du bon main survivant, quoi. En fait, là, j'accepte de tomber, mais je tombe dans un endroit où les générateurs ont été faits. Donc, c'est pas dramatique. Tu vois ce que je veux dire? Il tente beaucoup son pouvoir, hein, ça fait plaisir. Hein. Le petit freeze des familles qui fait du bien. Oh, bien joué! Je pensais qu'il allait faire l'angle ici, c'est très bien joué ce qu'il a fait, c'est superbe. Franchement, bien joué. Franchement, très très bien joué, vraiment, joli. Joli move ce qu'il a fait. Salut The Ghost 02, comment tu vas? C'est la forme? Ça va bien The Ghost 02? Ah, dommage que t'aies bougé! Dommage que t'aies bougé! Dommage, dommage. Là, fallait pas bouger, fallait vraiment porter ses coronets et rester accroupi. C'est dommage. Merci Ryushan pour le sub, 9 mois de soutien, ça c'est gentil Ryushan, ça fait plaisir, merci beaucoup, c'est très gentil Ryushan, merci beaucoup, ça fait plaisir.
C'est dommage, j'ai super bien tenu, j'ai grave tenu de ouf. Il rush le troisième gen. Je pense qu'ils vont réussir à le finir. C'est con ça. Très con. Je vais sûrement prendre un hit, hein. On a vu l'autre qui est là. Cadeau. T'as laissé de me flash quand même, hein. Peuple gêne. Oh, ils sont vite soignés, hein. Ah, elle a pas dévié, hein. Je pensais qu'elle allait dévier. On la lâche, on revient sous crochet. J'ai pas envie de camper le crochet, c'est chiant. C'est pas dégueu ce qu'il m'a fait là. Pas mentir, c'est vraiment pas dégueu. Ce qu'il vient de me faire là. Parce que là, il a pré-shot que j'allais le dodge derrière. Allez, il touche chaque là. Là, il est encore pré-shot derrière moi. C'est pas dégueu là ce qu'il fait là. Il va me lâcher sinon il va perdre trop de temps. Ça s'est bien passé le game. Oh, ouais, tranquille. Bon, on s'en a bien rigolé quand même. L'avantage c'est que tu peux causer une régression de gêne. Ouais voilà, moi c'est ça que je trouve fort en fait. Si le mec il est très bon, hein, genre un Blight ou un autre, ou même un autre tueur, il peut assez vite en fait redescendre un générateur en 2-2. Je vais le manger là. Là, je vais le manger là. Je le... Ici, hein. Ouais. Putain, je l'ai pas touché, quoi. Ah, forcer le top fin du gène. Ah, pour Adré, ah, ils sont vraiment très très forts. Forcing du gène avec Adré, quoi. Vous voyez ce que ça donne, une vraie team survivant. C'est ça. Elle a pas dévié, dommage. Jamais visé tout droit, mais bon. Visiblement, ça marche pas là. Tu vois ? Le pré-shot, toujours faire ça contre des gens qui savent jouer. Sinon c'est la mort. Et là, elle est en train de partir. Sopalin essaie de la cover. Oh ouais. Ici, il n'y a pas de porte, hein. Je crois que les deux portes sont de l'autre côté. Donc Hertz, il s'est enfermé à l'opposé des portes. Il a... Là, tu vois, au lieu de partir droite, il aurait dû partir gauche pour aller côté porte. Là, il est côté, rien. Il n'y a rien ici. Mais il n'y a pas la cave. Donc ça, c'est ça va. Faut qu'il fonce côté...
côté porte en fait. C'était pas idiot. Hein. Ce qu'il a essayé, le pyramide, c'était pas quoi. Noël, sur tes premières game nurse, ça peut passer? Ouais, c'est pas worse. Je dirais mettre autre chose. Je te dirais de mettre l'addon qui permet de montrer là où tu te téléportes. Salut Nexus Lai, comment tu vas? C'est la forme? Ça va bien, j'espère. Ah ouais, Zistrix, on est contre Gultir. GG, mais c'est pour ça qu'il travaille à fond et qu'il fait aucune feinte. Il devrait faire des feintes. Hein. Mais c'est pas con du tout. Hein. Il a fait un move qui était sympa tout à l'heure, à la fenêtre. Mais comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui travaille, qui s'entraîne. Là, il va encore lancer, tu vois. Hop, alors qu'il doit feinter. Il lance alors qu'il doit feinter pour moi. Ah, dommage. C'était bien, bien tenté de revenir, mais ça n'a pas suffi. Je pense qu'il va open, non? Sous palette, hein. Il devrait cage. Tu peux le cage, hein. Cage-le, cage-le. Voilà. Il va le mettre de l'autre côté là-bas, c'est sûr. Oh là 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 là, comme il est loin. Normalement, elle est à l'opposé, là. Merci pour le follow, Ava. Fuck. À l'autre bout du village, quoi. C'est moi, tout. Comment il sait que la cage est là-bas? Normalement, il ne sait pas où est la cage. Si? Je sais pas. J'ai jamais joué aux pyramides, alors je sais pas. Apparemment, il doit savoir. C'est bizarre de savoir. Mais s'il se met devant, il va être rollback ailleurs, non? S'il reste trop longtemps devant, il va être rollback ailleurs. Normalement. Allez, faut le lever maintenant. C'est dangereux, hein, mais bon. Ouais. Forcément, c'est logique. C'est logique, c'est logique. C'est pas grave, ça ruine, moi, ça me dérange pas. La cage va à l'opposé, il y a une habitude de le jouer. D'accord, c'est sympa. Hein. Putain, il a vocation. Oh là là, c'est un génie. Putain, c'est un génie. Oh. Le coup de pression qu'il m'a mis. Mais la vocation, c'est pas possible. Non, il ne sait pas, mais c'est obvious car la cage spawn à l'opposé de lui. Et il y a des spawns de cage. Oh, ok. Salut Kura, comment ça va? Putain, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. La cage est toujours au point le plus éloigné du tueur. Si tu connais un minimum la map, tu déduis. D'accord, c'est un génie alors. Bon, comment ils vont se débrouiller là? Ils vont y arriver normalement. Une qui arrive là-bas. C'est pas l'un qui est là. Ouais. J'étais pas vraiment dedans, mais ok. Ouais, il a vocal, c'est ce que je pensais. Là, je vais prendre le hit, c'est sûr. Ok, au moins il va pouvoir décrocher là. Là, il a pris, mais il va utiliser son épée pour me donner. Putain, c'est chaud. Dommage que de jouer comme ça. Après, il a raison de jouer comme ça, c'est fini, il a kirimé la game. Tu veux qu'il fasse quoi d'autre? Il va pas te regarder dans le blanc des yeux et tu veux qu'il va où? Voilà, il a une porte. Il est obligé de jouer comme ça. Oui, va, oui, tu vas où? Tu vas où? Où tu vas? Merci frérot. Ah fuck, ça a pris le bus au lieu de prendre le bas. Je me suis fait niquer là. Ça va être chaud là. Je pense pas que je vais y arriver. Ah, elle est partie à l'autre porte, je crois. Je me suis fait niquer. Ah, elle est partie à l'autre porte. À gauche, ok. Je crois que je suis blessé, mais je suis pas blessé. Juste à faire un tout droit, on est d'accord?
fais un tout droit des dardes et ça devrait être bon. Après il va vite hein, on va faire attention. Salut Alex, comment tu vas Alex? C'est la forme? Alex Calibures, comment vas-tu? Ça va bien j'espère. Coucou, je viens du stream de Guilty Gear, c'est drôle ce double live. T'as vu c'est sympa Yoshi Reina. On peut même faire une triple pov là, je peux faire ça en mode triple pov quoi. C'est cool. Il a pas boosté Sadik, pourtant presque tous les pyramidettes jouent boosté Sadik. Ouais. Augmente modérément la portée. Augmente considérablement la portée. Tu vois, il avait les deux add-ons de distance, c'est vraiment sympa hein, comme gameplay. Par contre c'est dur hein, parce qu'il fait que de try. Et full try, ben c'est dur. Tout réjouer, vocation, chili barbecue, intervention maléfique. Un rune aurait été peut-être mieux que tout réjouer. Surtout que tout réjouer sur ce tueur, c'est pas worse de ouf parce que comme tu peux cage, ben les tout réjouer tu peux pas les planter quoi. Par contre ce qui est cool c'est qu'il a mis une banderole, et ça c'est bien. Parce que moi j'avais besoin de prendre ça.